Yo les gens, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Primaria, le 18ème épisode. J'espère que vous allez bien et pour ma part, ça va nickel. Oui les gens, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons visiter l'End. Et oui, il y a maintenant 2 jours, nous avons tout simplement tué l'Ender Dragon. Alors malheureusement, j'ai pas pu record parce que mon logiciel de rec n'a pas voulu record. Et puis même, je n'avais pas forcément le temps de jouer quand on a tout simplement tué l'Ender Dragon, malheureusement. Pour cette vidéo les gens, je vous lance un petit objectif, 1000 likes, ça serait juste super cool de les atteindre. Vous voyez le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait juste super plaisir et ça aussi ça m'aide énormément, ça motive de fou. Donc voilà, si t'es pas abonné, oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner tout en activant aussi la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Oublie pas aussi de commenter la vidéo, je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires sous chaque vidéo et dans chaque vidéo je réponds à 3 commentaires. Donc c'est ce que nous allons faire dès maintenant, je vais répondre à 3 commentaires. Ok, changement de décor pour répondre aux 3 commentaires de la vidéo, enfin de cette vidéo, du coup les 3 commentaires de la dernière vidéo, donc celle où on a farmé énormément d'XP grâce à cette ferme à or. Voilà, pour répondre aux 3 commentaires, je me suis dit, écoutez, on va se mettre devant notre ferme à pigmen, ça peut être pas trop mal. Alors maintenant, on va répondre aux 3 commentaires. Alors déjà, avant de commencer à répondre aux 3 commentaires, je voulais vous dire un grand merci pour la vidéo d'hier. Elle a atteint plus de 1000 likes, c'est juste incroyable. D'ailleurs, si vous voulez faire pareil pour cette vidéo, n'hésitez pas, ça ferait juste super plaisir. Et surtout, les gens, vous avez laissé 250 commentaires. Alors, je veux bien répondre à tous les commentaires, mais à un moment donné, j'en ai 250, ça va être compliqué. Mais bon, je vais répondre à tous les commentaires, même de cette vidéo. Si vous en mettez 250 ou 300, je répondrai à tous les commentaires. On va dire que c'est ma devise, j'essaye de répondre à tous les commentaires possibles. Vous inquiétez pas, je répondrai à tous les commentaires. Alors, le premier commentaire nous provient de Champion qui nous dit: Darking, il faudrait que tu remplaces la stone par des magma blocks, sinon les piglings spawn et ils te prennent le mocap. Le mocap, du coup, moins de pigmen. Alors, je sais pas ce que c'est le mocap, il y a un pigmen qui vient de mourir derrière moi, ok. Mais oui, c'est vrai que je devrais mettre des blocs de magma. Alors, attendez, en vous parlant, on va peut-être farmer un petit peu. Mais oui, c'est vrai, je devrais peut-être mettre des blocs de magma pour qu'il y ait plus de pigmen, c'est vrai. Que ça me rapporterait beaucoup plus d'XP, parce que là, du coup, après, je suis à 39 XP, c'est quand même pas mal. Je suis quand même vachement content de ma ferme à XP, les gens, ma ferme à mob. Franchement, c'est trop bien, j'ai beaucoup d'or. Mais ouais, je devrais peut-être mettre des magma blocs. On fera ça sans doute dans la prochaine vidéo, peut-être. Mais ouais, il faudrait que je mette des magma blocs, qu'il y ait plus de pigmen. Merci en tout cas pour ton commentaire. Deuxième commentaire nous provient de Erion qui nous dit: pourrais rajouter un étage ou deux en dessous pour avoir un meilleur bénéfice et faire une annonce disant que les autres joueurs peuvent AFK à ta farm contre des diams, stuff sans prendre des lingots d'or, du coup tu as de l'or et du stuff gratuit. Ça peut être une idée, franchement ça peut être une idée de faire 1 ou 2 étages en dessous. Et si je fais ça, est-ce que les pigmen en haut vont pas spawner? Enfin, est-ce que vraiment au dernier étage ça va spawner ou pas? Je sais pas. Bon là on va passer level 40, ça va faire plaisir. Voilà, level 40. Mais voilà, oui, peut-être que je devrais tout simplement louer ma farm. Je pense que franchement c'est une très bonne farm. Après franchement les gens, cette farm ne demande vraiment pas beaucoup de temps à prendre. Enfin, je pense environ 2-3 heures de build. Je trouve que les niveaux et tout c'est vraiment rentable pour ce que c'est, donc pour moi voilà, c'est une très bonne farm. Et ouais, peut-être que les joueurs voudront venir à ma farm et on verra ça du coup avec eux. Mais ouais, merci pour ton commentaire. Et faire un étage ou deux, c'est vrai que c'est pas bête. Alors le troisième commentaire nous provient de Sapin qui nous dit: Darking, bon boulot, par contre je t'en supplie, crafte-toi une hache, bonne continuation. Alors pourquoi me crafter une hache? J'ai déjà une hache ici. Mais je suis trop bête, je suis mort. Oh non, oh le seum, et je suis mort comme un... Oh, je voulais aller voir le commentaire et j'ai bougé. Bon, attendez, il faut que j'aille récupérer tout ça là. Mais oh mon dieu, avec 40 XP, je tombe moi. Mais qu'est-ce que je suis bête. J'espère que le staff n'a pas dispawn quoi. C'est juste ça qui me fait peur. Ok, donc je suis devant la tour, un mob. Mon stuff est juste ici. En fait, c'est les blocs d'or. J'ai pas envie qu'ils dispawn les blocs d'or parce que bon. Non mais 3 stacks de blocs d'or, franchement, c'est beaucoup hein, quand même. Bon voilà, j'ai répondu à 3 commentaires. Si vous voulez que votre commentaire passe dans la vidéo prochaine, bah voilà, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour ce que vous pensez de la vidéo et tout. On va remonter quand même. On va remonter en douceur s'il vous plaît. Oi 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 oi. J'ai fait encore mourir là, faut que je fasse attention. Bon allez, on passe à la suite de la vidéo. Donc ce que je vais faire tout simplement les gens, avant d'aller visiter l'End, c'est tout simplement chercher des gunpowder. Donc je vous rappelle que j'ai mes petites élytres juste ici. Il faut tout simplement que je me fasse maintenant des feux d'artifice ou des fusées, enfin bref, vous avez compris, pour voler dans l'End, parce que si je vole pas, ça va être compliqué. Voilà, donc je vous retrouve juste après quand j'ai mes fusées, donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc je suis chez Cardian. Donc je vais prendre des petits gunpowder pour les creepers, enfin parce qu'il a fait une farm à creeper. Du coup il y a masse gunpowder, oh mon dieu. Oh, toute la gunpowder qu'il a, mais c'est incroyable. Enfin, me fait bugger par contre, c'est horrible. Par contre, c'est fou toute la gunpowder qu'il a, vraiment. Voilà, merci Cardian si tu passes par cette vidéo. Je t'ai pris quelques poudres à canon, donc j'espère que t'en as pas besoin. Voilà, désolé si t'en avais besoin. Ce qu'il faut aussi maintenant, c'est tout simplement de la canne à sucre. Et avec la canne à sucre, normalement, on va pouvoir se faire des fusées. Voilà, parfait, c'est bon, j'ai 3 stacks de fusées pour 3 secondes, donc c'est nickel. Maintenant, je vais mettre tout simplement mon élytre, voilà. Alors par contre, c'est un truc de fou, je n'arrive vraiment pas
à bien utiliser les fusées. C'est juste dingue. Ok, bon bah je me rappelle plus. Punaise, non, c'était où pour aller dans l'end? Au secours, je me rappelle plus, c'était où? Ah, peut-être que je vais retrouver mon stuff, en tout cas j'espère, parce que très clairement si je le retrouve pas, je risque de péter un bon câble, hein. Très clairement, je risque de péter un bon câble. Alors attendez, c'était par là, normalement, ok. Alors maintenant, faut que je saute dans l'eau. L'eau est juste ici, parfait. Ok, il y a mon stuff juste ici. Oh, mais il y a de la... Oh là là, j'espère pas que... Oh non, 100% la lave a pris, hein. Si la lave n'a rien pris, c'est incroyable, hein. Bon, on vit dans un autre monde. Oh, la lave n'a rien pris, mais c'est fou. Mais ce jeu est fou. Je sais plus du tout où est le portail de l'End. Je sais plus du tout. Ouais, non. Je sais plus du tout où est le portail de Cardian. Et là, très clairement, si je reste ici, je vais mourir. Mais non, mais je vais pas encore mourir. Mais non, mais c'est une blague, ce jeu. Mais... Oh là, mais les élites, ça me saoule, hein, vraiment, hein. J'en ai trop marre. Ok, c'est bon les gens, je viens de trouver tout simplement le portail de l'End, donc on va pouvoir y aller. Ok, parfait. Donc je vais mettre l'Elytra, voilà. Et en fait, Cold m'a tout simplement dire de me redresser quand je quand je suis tout simplement en l'air. Donc on va voir ça. Donc là, tac tac tac, et là je me redresse. Ah, mais en fait quand je me ok, d'accord. En fait, faut juste se redresser. Voilà, parfait. Moi, ce qu'on va faire nous les gens, c'est simplement visiter l'End. Et pourquoi pas trouver des petites forteresses, ça serait plutôt cool. Mais après, là, je sais pas où je suis, en fait. C'est ça, le problème. Faut juste que je prenne en coordonnées aussi les coordonnées du portail. Je sens que je vais me perdre, sinon. Bon, là, il y a le coordonnées du portail, ok. Donc, on va faire F3, F2, voilà, nickel. Et du coup, nous, les gens, on se retrouve juste après. Eh les gars, regardez-moi ça, c'est bon, j'ai trouvé un petit endroit plutôt sympathique. Là, je suis en 0-1003, ok, pourquoi pas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement regarder ce qu'il peut y avoir. Par contre, faut que je fasse gaffe parce qu'il va falloir que je revienne quand même. Il va falloir que je revienne quand même à la base. Ça, c'est pas donné et c'est pas gagné parce que j'ai pas énormément de feux d'artifice. Bon, ça va, en vrai, j'ai encore 2-3 stacks. En fait, je pense que je garde un stack pour bien revenir, quoi. Alors, les gens, je viens de trouver un truc bizarre. Voilà, parfait. Ah, j'ai pas pris de dégâts là, ça fait plaisir. Bah, attendez, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai tué quelque chose, je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas pourquoi j'étais en train de fly. Et ok, bon bah je sais pas, j'ai trouvé une petite forteresse. Alors là, très clairement, genre, je sais pas ce que je viens de trouver. Bon, bah écoutez, c'est pas un souci, on va partir. Mais ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça en fait, c'est bizarre. Alors là, je sais pas ce que c'est, vraiment pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer notre petit chemin. What? Mais regardez ce que je viens de trouver. Mais je ne comprends vraiment pas. On va descendre, hop, les, on va pas mourir. Voilà, nickel. Attendez, attendez, mais là je comprends pas, hein. Vraiment, vous allez me prendre pour un noob, mais je suis désolé. Moi écoutez, je suis un petit jeu. Des trucs bizarres là. Ok, c'est bon, par contre pourquoi je fly? En plus je meurs direct, c'est quoi ça? Carapace de Shulker. Ok, donc j'ai eu carapace de Shulker. Dites-moi dans les commentaires si c'est rare ou pas les gens. Parce que très clairement là j'en ai aucune idée. Mais regardez-moi tout ce qu'il y a. Mais comment je suis censé faire? Qu'est-ce que je dois faire en fait? C'est surtout ça mon souci en fait. Ok, je vais juste ici comme ça je vais pas mourir. Mais c'est ouf, mais c'est imposant de fou par contre. Quoi là-dedans? Mais y'a rien en fait. Je sais pas à quoi ça sert les carapaces de Shulker par contre, hein, vraiment, si vous avez des solutions. On va monter, hein. On va vraiment monter et on va tuer ça par contre. Voilà, nickel. Oh, ça m'a touché encore. Mais c'est trop chiant. Bon, ça me donne des carapaces de Shulker. Je sais pas ce que c'est les carapaces de Shulker. Oh là, il doit pas avoir des coffres. Par contre, là, je vais redescendre vite, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'aller là, moi. J'en ai trop marre de fly, là. Ok. Non, oh non, j'ai failli mourir. Ok. J'ai plus envie d'aller là, moi. Bon, bah, en tout cas, on va prendre les lingots de fer. Je me suis fait encore avoir. On va s'enfermer. Voilà, on va s'enfermer juste ici. Bon, ce que je vais faire aussi, c'est aller tout en haut. Il peut peut-être avoir des choses intéressantes en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est aller là-bas. Oh, tac. Voilà, on va aller là. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oh, une alambic, des poules. Oh, c'est trop bien, ça. C'est trop, trop bien. Oh, il y a des coffres. Oh, il y a des élytres. Oh, trop bien. Attendez, il y a une élytre. Mais c'est trop bien. Ok, parfait. Oh, P3, P4. Mais what? Attendez, je vais garder ça, carapace. Ça peut être bien. P3, P2. Mais what the fuck? C'est normal que ce soit aussi cheat. Il y a une élytre, ok. Mais on va faire plein. Mais c'est trop bien. Mais les gens, mais je suis trop content. Mais what the fuck? Je pensais pas que c'était aussi gros. Je pensais pas qu'il y avait des énormes stuff comme ça, moi. Je pensais pas du tout. What? Oh non, please. Oh non, 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 non. Attendez, j'étais là, mais faut. Mais je peux aller là-bas vite.
Par contre, là, je vais mourir, mais non. Et là, on a... Oh là là, mais c'est trop bien. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a surtout des... Il y a surtout des trucs trop bien, c'est que... Mais what the fuck? Je comprends pas ce que c'est, par contre, les gens. Vraiment, on va aller sur le bateau. Je pense que c'est des petites constructions comme ça où... Ouais, c'est peut-être mieux à prendre. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Bah, il y a encore des soins instantanés. Il y a encore un alambic. Bon, on va prendre ça. Et il y a deux coffres et un unilitre. Ok, c'est bon. Bah, d'accord. J'ai trouvé ce qu'on va faire. On va aussi... chasser les litres, hein. Écoutez, c'est trop bien. Il y a quoi? Suite 3, recommande. Oh, grain de betterave, je sais pas ce que je vais prendre, on sait jamais. Du diamant, what the fuck? C'est un truc de ouf par contre, c'est comment c'est cheaté. J'aurais peut-être dû prendre plus de feux d'artifice, parce que je vous rappelle que quoi, il va me rester un stack et 32, il va falloir que je rentre. Parce qu'on est à 4000 blocs de là où j'étais, donc c'est pas ouf. Ok, donc là on repart par là. Allez, on va partir par là, et puis du coup, bah, on va chasser les élytres. Et franchement, tout ce que je trouve en ce moment, c'est plutôt cheaté. Je sais pas que j'allais trouver des trucs aussi cheatés dans l'end. On va essayer de trouver un autre temple, je vais appeler ça des temples, d'avoir encore plus d'élytres. Donc à tout de suite, là pour le moment j'en ai deux, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ok, donc là ce que je viens de trouver c'est assez énorme. Genre, mais je sais pas par contre si je dois aller dans les trucs. Parce qu'en fait il y a des coffres mais il n'y a pas grand chose de fou. En fait c'est surtout là en fait où il y a vraiment des gros trucs. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller là dedans. Ok, parfait, donc là on va rentrer vite avant que quelqu'un nous agresse. Ah bah il nous a quand même tapé, ok parfait. Et ici il y a de l'or et une tranche en 3 recul 2. Mais what? Mais je pensais pas que c'était aussi cheaté moi. Et après en vrai il y a un gros truc là, mais je sais pas si j'y vais ou pas. Alors là derrière, oh non pas toi, oh non. Oh non, oh non, oh non. Ça va pas être mon copain longtemps l'escalier je pense. Ok, tu vas mourir, merci. Non, il m'a touché. Ok, bon allez je pense qu'on va partir, on va surtout prendre les litres aussi. Voilà, parfait. Bon bah écoutez, c'est parti, on va rechasser des items cheatés. Parce que très clairement c'est des items cheatés là ce qu'on a. Ok, impeccable, juste devant, du coup j'ai trouvé un petit bateau. On va y faire un petit tour. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je viens de trouver un autre truc là, incroyable. Non par contre, lui il va me saouler. J'ai trouvé un truc bizarre, ok bon c'est pas grave. Lui il va mourir, ok donc là dedans. Ah il y a pas grand chose là dedans, il y a juste du diamant. Bon ok, pas de souci. On va prendre les litres. Mais attendez, j'ai trouvé une balise je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais prendre en coordonnées les... Oh non, l'Enderman il me tue. Oh, non, non, attendez, je prends en coordonnées juste, tac, et je me barre. Qu'est-ce que c'était ça? Pourquoi il y avait une balise, les gens? Ok, bah je sais pas. Si vous avez des réponses pour ça, bah n'hésitez pas à me le dire. Les Enderman sont en train de me suivre, au secours. Bref, bon allez, je continue à chercher des petits élytres. Regardez, on en a combien? 1, 2, 4 élytres. Bon bah parfait, ça fait plaisir. Ok, je venais tout juste de couper la séquence et en fait, bah, j'ai trouvé un autre petit biome. Mais en fait, il y en a plein, c'est trop trop bien. Et on va essayer d'y aller vite avant que lui, il nous touche. Voilà, tout en douceur, ça fait plaisir. Bon allez, toi, est-ce que tu vas nous donner des items cheatés? Ok, efficacité 4, oh, lui, ça fait les émeraudes, ça fait plaisir aussi. Et là, P3, sudité 3, c'est... Oh là là, c'est trop trop bien. C'est tellement bien. Efficacité 5, sudité 3. What the fuck? Et les litres, c'est parfait, on prend les litres. Bon allez, j'en cherche encore une dernière et on se retrouve juste après les gens pour voir les items cheatés que j'ai eu grâce à tout ça. Franchement, je pense que c'est pas mal. Ok, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup trop, en fait, je crois, hein. C'est ça le truc. Il y en a vraiment beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. En fait, là, je vais jamais là-dedans, mais je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose d'aller là-dedans ou pas. Ok, donc on va se cracher tout en douceur, voilà, parfait, impeccable. On va aller là-dedans et on va essayer de... 9 carapaces de shulker. Tranchant... Oh, trop bien, c'est trop bien. Oh, mais what the fuck. C'est tellement insane. Oh, Pikachu, mais what the fuck. Mais j'enlève ça direct. J'enlève ça, je prends ça et je prends ça. Oh là là les gens, et je prends les litres. Oh, mais what? Je pensais, mais regardez tout le stuff cheaté que j'ai. Regardez tous les stuff cheaté. C'est un truc de ouf. Genre là vraiment c'est un truc de ouf. What the fuck? Mais c'est quoi tout ça? Je vais tout simplement rechercher un autre bateau parce que voilà ce qu'on vient de trouver là c'est juste insane. Bon allez, j'en cherche un dernier et après on s'arrêtera parce qu'on a vraiment bien visité l'end. Il va peut-être falloir retourner à la maison parce que bon c'est pas quand même qu'on est à presque à 10 000 blocs mais bon quand même un peu quoi. Bon allez, c'est pire si je retrouve pas quelque chose d'ici peu, je pense que je vais arrêter. Ouais, je pense que je vais bientôt arrêter quand même parce que faut quand même que je retourne chez moi. Ah non, attendez, ça a juste un bug. Ok, ça a juste bug. Ok, bon, tranquille. Les gens, parfait. Regardez, j'ai trouvé un petit bateau. C'est nickel. Et en plus, il me reste que un stack et 34 feux d'artifice. Donc voilà. Juste après ça, il va falloir que je rentre à la casa. Allez, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Allez, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a... Oh, what? Mais c'est pété de fou, les gens. Mais c'est pété de fou. Voilà, ça va encore. Mais what? Et on prend l'élite une dernière fois. On prend une dernière élite contre ça. Voilà, nickel. Bon, bah du coup, moi, je vais rentrer à la maison. Il faut que j'aille tout simplement en 0-0. Et moi, je vous dis pourquoi pas un petit timelapse pour rentrer. Ça peut faire plaisir. Donc voilà, petit timelapse de 1 ou 2 minutes. Donc voilà, vous allez me dire si vous
kiffé ou pas. On se retrouve juste après. Allez hop, on passe au timelapse. Bon bah regardez ce qu'on a eu les gens, on a eu tout ça, on a eu une épée en diamant cheatée, on a eu des pioches cheatées, oh, cette pioche elle est incroyable, toucher de soi, efficacité 4, U3, elle est incroyable, on a eu des plastrons cheatés, alors ça non, c'est à moi, vous imaginez, on a des plastrons des urites, ça serait incroyable, plein d'élytres, plein d'élytres, on a des carapaces de shulker, si vous savez à quoi ça sert les carapaces de shulker, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires, ça serait super cool de votre part. De base, je devais juste visiter l'end, mais je pensais pas qu'on allait trouver autant d'items cheatés, donc bah je suis super content, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément, voilà, l'objectif des 1000 likes, je compte sur vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, les gens, voilà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche de notification, enfin pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo, c'est mieux comme ça. Oublie pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Moi je vous laisse, c'était Darking. On se retrouve demain pour le 19e épisode, je crois, sur Primaria. Bref, c'était le 18e épisode sur Primaria. C'était Darking. Bye tout le monde.